Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ASKU 500 que j'ai acheté sur un site qui m'a coûté 2200 euros, livraison gratuite. Voilà, c'est pas très cher, mais elle n'est pas aussi top à ce point-là. C'est une tour c'est pour ce que je fais, je pense que c'est assez, mais c'est pas une tour de précision à 100%. Voilà, la table, je l'ai créée, je l'ai trafiquée. Là, je vous fais montrer. Là, si vous allez voir, là, il y a un trou. Le trou, il est là, voilà, pour permettre que je mette des croupeaux métal qui se trouvent dedans. Et le moteur, il se trouvait là, ici, là. Et pourquoi je mets ce cache-là, c'est pour éviter des croupeaux métal qui entrent dans le moteur. Pas dans le moteur, mais dans l'hélice du ventilateur. Voilà. Et la table, j'ai mis le trou avec un bac qui se trouve en bas là, voyez, pour récupérer les crapauds avec les accessoires que j'ai achetés. Ça, membrane, je vais vous expliquer après. Et quelques outils du fraise que j'ai achetés et les outils de tour. Voilà, je vais déposer la machine. La caméra pour vous montrer la suite des accessoires et en même temps pour faire un test. Voilà, la ASKU 500 est livrée avec ça, les trois clés, une, deux, trois clés. Pour la membrane de voilà et pour ça voilà et en plus trois morts qui se trouvent dans ce sens comme ça voilà et en plus tout qu'est-ce qui est les pignons parce que vous voyez là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Plus onze, c'est pour faire les fintas. Ou pour qu'ils avancent plus vite, moins vite, à peu près tout. Voilà. Là, on va aller derrière la machine, la boîte de vitesse. Comme ça, je mets mon téléphone là. On se l'a passé une fois, c'est pas trop mal. Même pas. Bon, je vais poser ça un peu. Et la lumière pour voilà que vous voyez là, ça c'est pour les pignons qui ont, ça c'est pour changer les vitesses du mort. Voilà, de toute façon c'est tout indiqué ici. Normalement, je tourne à 160 tours par minute. C'est la tour la moins vite possible. Voilà. Pour changer le... pour changer la vitesse, vous avez un poignet qui se trouve juste derrière là. Là,
Je vais le baisser, voilà. Et si je vais laisser comme ça, quand on va aller voir sur le E là, c'est F, F, A, A, E, c'est 300 tours par minute. On va déplacer pour 300 tours par minute, on va aller déplacer ça. En une main, c'est un peu compliqué. Je le mets sur les pieds, comme ça c'est mieux. Voilà, pour changer de vitesse. Pour 300 tours, il faut se basculer sur le deuxième couloir. Ça en premier, je mets ça les caves qui gênent ou quoi là en haut, ouais, et font pas super top. Voilà, voilà, maintenant voilà, là il est là, là je suis à 300 tours. Je tire le poignet derrière, je lève un peu et je serre. Voilà, là, normalement, c'est bon. Pour 300 tours. Voilà, ça c'est bon. Voilà, si vous voulez 450 tours, ou c'est indiqué là et vous regardez, vous changez par rapport les poulies qui se trouvaient là. Et les pièces que j'avais fait montrer tout à l'heure, voilà, c'est pour changer ici, pour changer là. C'est un peu chiant. Pourquoi? Parce qu'il faut lire la notice pour savoir les nombres de pas, les pas de vis. Voilà. Là, elle est d'origine, elle est comme ça. Quand ils m'ont livré, c'est comme ça. Pas d'origine, mais quand ils m'ont livré, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, je vais fermer ça. On va aller voir certaines pièces que je l'ai fait. Voilà, ils m'ont livré avec ça pour les couteaux de 12. Voilà, ces couteaux-là, exactement. Ils n'ont pas livré les couteaux, hein. Ils ont livré aucun couteau, il faut voir c'était. Et quand je mets dedans, pour faire les découpes, il n'est pas juste. Il faut que je mets deux morceaux comme ça. C'est des sangles qu'ils ont sanglés, que j'ai déballés. Et je mets deux sangles en dessous. Comme ça là. Voilà. Voilà, je mets deux sangles comme ça, et là, il coupe tout. Mais sinon, il va me laisser un petit au milieu de 2 mm, 1 mm et quel. Voilà. Alors, du coup, c'est énervant. Chaque fois, c'est énervant. Quand vous coupez, et du coup, il vous reste encore un petit morceau au milieu, il faut tailler à la lime, tout ça, c'est chiant. Alors, bon, après, qu'est-ce que je fais? Je fais un support comme ça, pour faire, voilà, le support que j'ai fait, c'est le support qui se trouvait là. Voilà, je vais démonter. Je récupère l'andenne. Je mets les gants parce que j'aime pas la graisse ni. Voilà, je remets ça dedans.
si vous voulez faire la même pièce pour faire les couteaux, couteaux 16, c'était les couteaux 16, et bah, il faut réduire cette épaisseur-là à ça. Bon, comme c'est pas... Je vais mesurer. Lui, il fait 34, 33. Hein? Mais bon, vous pouvez ajouter 1 mm en plus. Ça fait 49. La moitié d'un millimètre, 1 mm, ouais, 35. Vous faites à 35, je pense que ça doit aller. Et là, je suis à 31. Alors si vous faites le bloc là, exactement à 31, 35, et ben avec un couteau 16, c'est nickel. Voilà. Bon, comme je n'ai pas fait ce morceau là, car lui c'est rare que j'ai utilisé aujourd'hui, déjà. Ah, je prends cette pièce là, je mets sur la pièce que j'avais fait. Bon, j'ai pas fait toute la ligne là, hein. C'est pas ça sert à rien, strictement à rien, surtout la ligne, parce que hein. Et comme ça on peut faire un petit test là, si vous voulez. Ce que j'ai pris, il est un peu trop gros. Voilà. Ouais, plus petit. Soyez monté ou quoi là. Bon, je donne un petit coup pour avoir du croupeau béton dessus. Je remets ça. Voilà. Normalement c'est les couteaux de 12, mais bon, je passais en 16 parce que ça, il faut faire les couteaux de 16. Je pense que le support, ils ont fait exprès pour faire en 16. Voilà. Mais il faut réduire ça. Voilà. Bon, j'ai acheté ça. Ça. Ça m'a coûté 200 au total, 200, je sais plus, 250, un truc comme ça, ou 220, ou plus, je ne rappelle plus trop. Voilà, mais il m'a livré aussi avec avec un membrane de 4 morts.
avec quatre trous, bah, pour mettre sur le, sur ça. Après, je modifiais pour mettre sur ma tour. Je fais trois trous pour changer en membrane de quatre morts, pourquoi comme ça, parce que lui, on peut pas aller, je crois, à même pas 125, je crois, même pas. Et je coupais même la sécurité qui vient là, la sécurité ici, pour gagner au maximum, parce que dès que vous ouvrez un peu trop grand, ça, il va taper sur le sur la sécurité. Alors, je coupais, voilà. On vient, en revenant à ça. Alors du coup, quand je fais une grosse pièce, pour faire une pièce comme celle-là, là, et là-dessus, quand vous faites les petites pièces, il n'y a pas de problème. Là-dessus, quand vous faites les petites pièces, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites les grosses pièces, ça, ça bouge un tout petit peu. Allez, même pas quelques centièmes, mais et c'est pas bon pour les fraises. Et du coup, je peux pas placer ça sur mon plateau. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre ça sur mon plateau parce que c'est trop bas. Alors, j'ai fait une pièce comme ça. Voilà, ça, j'ai pratiqué cette pièce-là pour pouvoir. Je les suis un peu. Ah, parce qu'il y a plein de graisse, plein de santé dessus. De l'huile plutôt. Voilà. Voilà. Avec deux trous. Et j'ai fabriqué aussi des cannes en bas parce qu'ils n'ont pas livré avec. Voilà. Ah. Et ça, il va dessus. Il fixe. J'ai fixé ça sur mon plateau. Sur voilà mon plateau, si vous préférez, et ça dessus. Et pour la clé qui fonctionne, il faut que soit aussi soit à la hauteur, pour comme ça vous pouvez tourner. Si vous faites un peu trop bas là, si ça c'est un peu trop bas, du coup la clé va tousser, ça va vous gêner pour tourner le serrer la pièce. Voilà. Alors je l'ai fait la hauteur. Attends, mon pierre-coulisse, elle est où, mon pierre-coulisse? Mon pierre-coulisse. Je vais arrêter. Je suis perturbé, là, j'ai oublié tous mes trucs. Voilà, la hauteur de cette pièce, il faut mettre à exactement 43, 44 mm. C'est bon. Ou vous pouvez mettre un désherbant un petit peu plus haut, mais après... si la pièce est trop gros, pour les sur la main, le truc là, ça peut chiant. J'essaie de voir pourquoi il a la même hauteur que les taux là. À peu près à 1 cm de hauteur. Voilà. Voilà. J'ai investi aussi dans ça. Mais c'est un peu gros. Et les lames, elles sont pas top. Hein. Franchement, je vous... j'ai acheté sur Amazon. Ça m'a coûté 40 et quelques euros. Mais les lames, c'est des lames qui sont pas top. Hein. Je vous dis honnêtement, ça coupe pas super bien. Ça aussi. Ah oui, surtout pour cette tour là, si vous achetez le même tour, il faut vous prenez du c'est noté dessus cette membrane là. Et je vous fais montrer comme ça, parce que moi je savais pas vous achetez, et ben ils sont un peu petits, hein. C'est MT3. Parce qu'ils avaient acheté un truc pour ça, là, MT2, et ben, je dois acheter
arrêt du cœur, oui, arrêt du cœur, voilà, en plus gros, quoi, si vous préférez. Voilà, c'est du coup, il y a un mal dedans. Alors, pour tous les outils, mon branle-là, c'est pareil, c'est du MT3. Alors, du coup, j'investis pour ça. Voilà. Oh, celle-là, c'est pas mal. Franchement, pas mal. Mais les lames sont pas super non plus. Il faut acheter des lames un peu mieux, quoi. C'est tout. Voilà. J'ai acheté ça aussi. Ah, voilà. Là, vous allez voir mieux, là. MTA3. Ça, j'ai utilisé qu'un seul. Et je crois que le truc, il est encore dans la membrane. Voilà. Et le reste, ils sont encore dans. Ils sont encore emballés, quoi, si vous préférez. C'est pour fraiser, quoi. Voilà, on fait presque le tour déjà. J'ai aussi acheté ça. Bien sûr, sur la photo, j'avais cru qu'il était grand et tout. Et quand je le mets, il s'adapte même pas. Il faut créer une autre pièce qui vient là, qui soit pile poil à ça. Vous voyez, c'est un peu. C'est. Voilà. Il donnait quatre comme ça et ça. Cérasse, clé de cérasse et clé pour. Mais je vous déconseille. Franchement, j'ai payé 82 euros là. Ça valait pas. Ou sinon, faster celui à 250 euros. Là, bon, je pense que c'est pas mal. Voilà. C'est trop petit pour ce tour, quoi. Voilà. On a fait tout le tour, ce que j'ai dépensé. Ça m'a coûté quand même un peu cher, quand même. Et bon, quand on l'aime, il n'y a pas de prix. Bon, maintenant, on va passer au test pour la tour, quoi. Mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas un professionnel. J'ai appris ça il y a 35 ans derrière, que j'étais à l'école. Ça fait une année de préseur, tourneur, raboteur, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois, j'ai tout oublié déjà, il y a 35 ans. Aujourd'hui, ça c'est simplement pour m'amuser, rien d'autre, quoi. Bon, on va tester un peu la machine, quoi. Je vous dis tout de suite, hein, c'est pas un truc de super de qualité, mais bon, c'est pour ce que je fais, je pense que c'est bon. Ah oui, là je suis à 375 tours. Je sais pas si c'est bon pour ça, mais bon. Il y a un côté où c'est le couteau, je ne sais pas.
Mais quand je coupe, il y a des moments où il coupe, il n'y a plus rien. Il y a des moments où il reste encore une trace. C'est bizarre. Voilà, bon, bah, c'est pas méchant. L'autre, c'était encore plus gros que ça. Voilà. Regardez, c'est pas lisse. Maintenant, bon, bah, je vais monter à, allez, 800 pour un métal comme ça. Je sais pas, je pense à 800 tours, c'est bien. 600, 800, c'est bien. Quelque chose en dessous ou quoi? Oh non. Bizarre ça. Mais bon. Voilà. Voilà, parce que la croix était trop tendue, on pouvait faire ça bruit. Pas eu peur, hein.
passé. Bon, le travail, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas très dégueulasse. Bon, ça va. Ça va. Ça coupe quand même correctement. Voilà, les amis, c'est fini cette vidéo. Voilà, c'était cette tour-là, ça me revient. C'est plus. Presque 3 000 euros au total.